Salut tout le monde, on se retrouve pour la découverte d'un nouveau jeu. Je découvre en même temps que vous, mais j'ai déjà eu le temps de faire quelques parties histoire de voir à quoi il ressemble le jeu. C'est, je pense, le mix. C'est moitié héros et généraux, moitié PUBG. J'ai eu un trou pendant un instant. PUBG. C'est-à-dire, on commence quelque part, il y a entre 5, entre 40 et 60 personnes, disons. Là, on est 38, ça continue à rentrer. On est sur une map avec des armes de la Seconde Guerre mondiale, plutôt comme héros et généraux dans ce cas-là. On a le droit à deux armes lourdes, une arme légère, un couteau ou une arme de poing. Et il y a des véhicules et tout. Ça marche pas. Faut ouvrir les deux portes. Ah voilà. Et à ce qu'on m'a dit, on peut détruire tous les éléments du décor, c'est vrai. Je suis passé là, bon, on va à la maison suivante. On peut même péter les tenons? Je sais pas trop. Il y a des événements tous les temps en temps, comme Apocalypse Zombie. Je sais pas si ce sont les joueurs qui les déclenchent ou pas. J'ai pas l'occasion de le déclencher. Je pense que c'est des trucs automatiques. De temps en temps, il y a tsunami. Est-ce que j'ai des sous? Ouais, de temps en temps, il y a des machines à jeu. On récupère des pièces aztèques. Bon, le jeu a tout un univers à lui. Et dans cet univers, il faut une pièce d'armure pour chaque partie du corps. Donc ça implique fesse droite, fesse gauche, genou droit, genou gauche. Tout le tralala. Ah, c'est marrant ça. Deux armes, dont une plus récente. On va supposer que l'arme de 917 est mieux que la 903. Mais je m'y connais pas du tout, donc je saurais pas dire. Bon, les armes ressemblent beaucoup à Héros Généraux. Le jeu en soi ressemble beaucoup à PUBG. L'objectif étant de survivre sur une carte, on a une seule vie. Sauf qu'il y a un système de matchmaking qui fait que. Comment dire, qui fait que vous tombez contre des adversaires à votre niveau. Et ça fait, d'après moi, une grosse différence avec PUBG. Et c'est un jeu gratuit que vous pouvez télécharger sur au moins Steam. Mais vous pouvez sûrement aussi le télécharger sur Internet avec son propre launcher. Puisqu'il a un système de compte indépendant de Steam ou alors dépendant de Steam si vous vous connectez avec Steam. Hop, j'ai pris des dégâts. J'ai pris des dégâts. On va manger. Restore 3 points de vie. Alors, on va remplacer notre deuxième machin par Beretta truc. Voilà, bon, je suis pas du tout prudent de traverser au milieu des champs, mais en même temps, je vais pas faire un détour de malade pour arriver dans la zone. Bon, on a une barre de fatigue qui fait qu'on. Une barre d'énergie quand on est fatigué, on souffle. Donc ça fait, quand on est trop fatigué, on souffle et ça fait du bruit. Et on peut plus courir aussi occasionnellement. Et il y a la zone qui me poursuit. Donc on va aller dans la bonne direction directement. Je crois que les joueurs restent plus rapides que la zone, même jusqu'à la fin. Ce qui est pour moi un bon point. Parce que obliger les joueurs à trouver une voiture pour arriver à faire la zone, c'est un peu. C'est un peu triste pour les pauvres joueurs qui savent pas trouver de voiture. Et j'ai toujours pas trouvé comment on fait pour acheter un t-shirt. Donc je suis en sous-vêtement pour l'instant. Hop! J'ai l'impression que la zone me rattrape quand même. Ouais, si la zone va plus vite que moi. Ok. Bon, je vais prendre quelques dégâts. Ouais, je peux plus courir. Ah, crie pas, crie pas, crie pas, chut. Tout va bien. Il va être temps de sniper un peu. J'ai pas de viseur. Oh, il y a un mec là-bas. Touché. Ok. Il y a eu un mort. Ah, je vois un mec. Il y avait un mec là. Ou une nana d'ailleurs. Ah, c'est plus facile pour viser
Oh, stylé ça. Double touche. Qui ne suffit pas, c'est bien dommage. Oh, ça me tire dessus. Et d'un, j'ai plus de toute vie. On va commencer par manger. Et ben finalement, on s'en sort bien. Un kill, ce sera déjà ça. Ça me suffit pour avoir un ratio positif. J'ai plus de bouffe. Et... oh mince, il y a des zombies. Cours, 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 on est là. Comment ça, il y a des zombies? Est-ce que j'ai rechargé cette arme-là? 20-20, bon, ça va. Oh, c'est des zombies, ils m'ont fait peur. Pas tellement peur des zombies. Peur des joueurs. Bien. Un mec qui se tape avec moi. Ah, c'est pour moi. C'est pour moi qu'ils viennent. Je suis pas sûr que je puisse juste me débarrasser d'eux comme ça. Aïe. Un mec qui m'a tiré dessus, c'est ça? Ouais. J'ai plus de vie. Oh là là. C'est la misère. J'ai pas de quoi régénérer malheureusement. J'ai pas eu le temps de me servir sur le cadavre des gens. Et avec tous les zombies, on est mal là. Y'a un mec qui les shoot, c'est ça? Ça se trouve, il est à la fenêtre en train de les shooter. Non, sinon la fenêtre aurait cassé peut-être. Aïe 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 aïe, tué par un zombie! On a eu deux joueurs, on a eu deux joueurs. Une à la mitraillette, un au un à la mitraillette, un au fusil. Le deuxième, il était désemparé en train de monter sur un mur pour fuir aux zombies. Bon, je fuyais les zombies aussi, mais j'ai pas tardé à l'éliminer. On peut voir la partie? Non, on peut pas. On entend encore les sons, mais c'est tout. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura tenté. Une petite vidéo de 18 minutes pour découvrir un jeu. Je ferai peut-être des vidéos en plus sur ce jeu sur ma chaîne. Si jamais vous voulez découvrir d'autres jeux PC ou téléphone, je vous invite à regarder les deux playlists qui correspondent, qui sont en avant sur ma page de chaîne. Et ce sera tout pour cet épisode, pour cette vidéo.